construction d'une maison en carton pour lapin. Étape 1, familiariser tes lapins avec le carton. Purée, mais c'est quoi ce truc? Au secours, on veut m'enfermer. Avec ça, en vrai, tu pourras leur faire une petite maison. Le carton m'avait avalé. Oh ben ça alors. Non, non, pas en haut. Voilà, c'est malin comment je redescends moi maintenant. Étape 2. Construction de la maison. Ça, c'est de la concentration. Voilà, ça tu l'allonges. C'est tellement dur la vie de lapin si vous saviez. Coucou papa. Tu veux que je t'aide? J'ai donné mon sang pour ça, mais t'as intérêt à t'amuser. Pas même moi, j'ai rien demandé à la base. Sniff, sniff, sniff. Ça sent pas la rose ici. Je peux voir l'intérieur, papa? Non plus à droite. Erro, voilà-tu la cassée, c'est malin. T'as bientôt fini? C'est un peu long là. Non mais je dis ça, je dis rien. Qu'il est beau le petit oiseau. Pas trop grosse, hein, qui puisse pas passer par. Attends, laisse-moi réfléchir. Non, tu peux pas faire ça. Stop. Papa, c'est quoi ça? Je pourrais avoir ma propre chambre. Ben moi, je veux le lit à droite alors. TFFF, t'es sérieux, Nezu? C'est ma maison. Viens te battre si t'es un vrai lapin. Ben alors, c'est qui la petite tapette maintenant? C'est un pont-levis à papa? Et si tu mettais plutôt des marches? Mais Mezu est trop gros pour le pont-levis. Y'a coup si je t'attrape. Ce côté-là, du côté où il y a les fenêtres. Oh, c'est trop moche. Non, 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 enlève-moi ça. Tentative numéro 1. Yaku. Oh là non, mais c'est trop. C'est raté. Oui, c'est pas mal. Tentative 2. Nezu, mais pas mon style, désolé. C'est encore raté. Tentative 3. La nourriture. Non, mais c'est même pas en rêve. C'est encore un troisième échec. Et voilà, on a enfin fini tout ça pour qu'ils s'amusent avec les restes. Tu fais quoi, Nezu? Attention, prépare-toi. Boulet de canon. Ah ouais, ça c'était du boulet. 10 minutes après. 24 heures après. Ah oui, il y a même des fenêtres, dis donc. Nezu, viens voir. Et doucement. Yaku, donne-la moi. Rêve, je l'ai vu en premier. La vue qu'on a de là-haut, c'est incroyable. Va et fais voir. Où est ben tous à l'heure? Il y a personne derrière? Je me demande si ça se mange cette matière?
Et si, on corsait un peu les choses. Mais là où tu peux pas passer par la porte comme tous ces mondes, je renie mon. Non mais sérieux.